Donc je continue, c'est ma partie numéro 2. Voilà la pointe de purification. Ok, donc je vais vous tirer des petites cartes. Ok, comme ça on va voir un petit peu et puis je vous donnerai des petits éléments, on peut dire de détails. Alors là, nous avons l'arbre bleu dans la situation. Il y a, on peut dire, beaucoup de personnes, on peut dire, qui vont lâcher prise. Voilà, il s'agit de purification, on peut dire, des informations, on peut dire, voilà, des informations émotionnelles, des informations quantiques, des informations, on peut dire, de votre arbre généalogique aussi. Carte numéro 15, il s'agit aussi de purifier, on peut dire, beaucoup de dépendance. Voilà, et donc là, vous allez lâcher prise et ça va être, on peut dire, par rapport à de l'action. Vous allez entreprendre, on peut dire, quelque chose qui va vous permettre, on peut dire, de lâcher prise, on peut dire, dans une situation. Donc là, il y a des personnes qui sont en totale transformation. Voilà, alors attendez. Donc là, nous avons dans la situation le bouquet des Gémeaux. Là, visiblement, pour les Gémeaux, vous allez vous transformer complètement. Vous êtes dans la concentration, ou en tout cas, on vous recommande d'être dans la concentration par rapport au chakra sacré. Donc, une purification peut-être aussi d'informations émotionnelles liées à de la sexualité. Et c'est aussi le chakra racine. Donc, il s'agit aussi d'hérédité pour les Gémeaux, pour visiblement récupérer vos dons, récupérer, on peut dire, votre pouvoir intérieur aussi. Voilà, et pour d'autres, il s'agira de faire un voyage ou il s'agit de déplacement. Visiblement, il peut s'agir aussi de déplacement des idées ou de déplacement d'informations qui vont être purifiées, on peut dire, dans une situation pour vous permettre d'avancer. Ensuite, nous avons en inversé la dame céleste. Visiblement, une personne va arriver plus tard. Voilà, la dame céleste. Pour d'autres, il peut s'agir, on peut dire, de personnes, on peut dire, qui sont bloquées dans une situation, qui ne peuvent pas se déplacer. Vous avez des corbeaux autour de vous. Voilà, donc il y a peut-être une personne autour de vous qui ne vous dit pas la vérité aussi. Ouais, une personne assez noire. Hein. Ouais. Voilà, ou des gens qui sont, on peut dire, en pleine dépression dans la situation. Bon, la dame céleste, elle est en pleine dépression. Alors ensuite, nous avons le double lumineux, toujours comme hier. Donc là, visiblement, vous allez faire une rencontre où vous êtes en train de regarder quelque chose d'une autre manière, où vous avez une perception de quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Voilà, carte numéro 12, c'est aussi la carte du pendu. Ce sont des gens qui sont dans l'attente. Alors, soit vous ne connaissez pas la personne, mais on peut dire que... c'est une histoire qui peut être karmique. Il y a un anneau, on peut dire, par rapport, on peut dire, à un symbole de serpent. Donc voilà, il peut s'agir aussi du caducé. Il peut s'agir de guérison aussi par rapport à des gens qui portent peut-être des masques. Là, il y a une grosse connexion, on peut dire, par rapport à quelqu'un. Voilà, donc là, il y a peut-être aussi, je veux dire, une personne qui a vu clair, on peut dire, dans une situation qui n'était pas claire. Et donc là, après, nous avons le chat taureau, visiblement, dans la situation. Quelqu'un qui est très attaché, on peut dire, voilà, à ses possessions, à son argent. Voilà, donc vous êtes relié aussi à Ra. Voilà, il s'agit du scarabée aussi par rapport à des Égyptiens. Bon, c'est la maison 2, donc on peut dire que là, c'est Bereshit, hein, pour aller choisir aussi peut-être quelqu'un d'autre ou une nouvelle terre. Par rapport à un double lumineux, une personne avec laquelle vous avez une connexion par le chakra de la couronne. Voilà, donc... Donc là, il va y avoir beaucoup de lâcher prise, on peut dire, dans une situation où il va y avoir voilà, bon, des gens, je veux dire, vous allez être dans une nouvelle forme, on peut dire, de vision. Voilà. Et donc après, nous allons aller vers le bonheur. Hein. Visiblement, ça va être le bonheur total et général, surtout pour les personnes 22, hein, donc les projets internationaux, l'arbre joyau.
L'arbre joyau, il faut comprendre que c'est Tiferet dans l'arbre de la Kabbale. Donc il s'agit aussi de six dons sacrés qui vous sont, on peut dire, donnés. Voilà, il s'agit de Geburah, de Tiferet, hein, il s'agit de Yézed, donc la part, on peut dire, du don et de réconciliation et de paix. Il s'agit de Hod, de Netsak, et il s'agit de Yézed, qui concerne, on peut dire, par exemple, dans le tarot, l'ermite, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc, voilà, il s'agit de personnes, on peut dire, qui vont être aussi en introspection par rapport à beaucoup d'hérédités, ou c'est lié à vos ancêtres, hein, ou c'est lié à vos racines ancestrales. Je pense plus particulièrement à des personnes, on peut dire, d'origine, par exemple, africaine, mais pas simplement chinoise, mongole, voilà. Voilà, on peut dire qu'il y a, on peut dire, où, par exemple, les îles, il y a des pratiques chamaniques. Hein, voilà, moi, ce que je connais, c'est les bônes qui étaient avant, on peut dire, les bouddhistes. Voilà, et donc, on peut dire que le bouddhisme tibétain, je veux dire, découle des bônes. Hein. Je veux dire qu'il y avait des pratiques chamaniques qui étaient liées, on peut dire, à des esprits ancestrales liés à des animaux sacrés, hein, comme on trouve, on peut dire, aussi chez les Indiens, avec la vache sacrée qui représente, on peut dire, la matrice. Hein, voilà, la matrice, la transformation, la chérina, on peut dire, chez les Juifs aussi. Voilà, la femme, hein, évidemment, et la fécondité. Donc voilà, bon, écoutez, je vais m'arrêter. Donc l'arbre joyau, c'est très 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 positif, hein. Donc pour les filles de ma chaîne, les déesses, donc vous allez rencontrer votre double lumineux, hein. Donc là, pour le moment, on est plutôt connecté, je veux dire, au niveau du chakra de la couronne. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez pas forcément, mais c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Voilà, et puis après, enfin, je veux dire, bon, il y a des gens qui vont s'installer. Hein, puisque c'est la maison 2, Bereshit, je veux dire, c'est voilà, c'est des gens, voilà, donc tu vas mettre quelque chose dans la matière, un projet dans la matière, un projet, on peut dire, voilà, qui va être très fécond, hein, puisque derrière c'est l'arbre joyau. Alors tu vas peut-être te marier, tu vas peut-être faire un nouveau projet, tu vas t'engager, on peut dire, dans quelque chose. Enfin, quoi que tu fasses, je veux dire, avec ton double lumineux, ça va être le bonheur. Hein. Ouais, le bonheur. Et voilà. Et donc, on sera plus dans la gestation. Hein, ouais. On sera plus dans la gestation aussi, avec la marche de l'étoile. Hein, là, visiblement, on va marcher un peu tout à l'heure. Enfin, plus tard, on peut dire. Alors, je vais prendre mon petit oracle pour les enfants, hein, parce que nous sommes tous, on peut dire, des enfants, hein, bien sûr. Voilà, donc pour les personnes qui arrivent, bah, je vous remercie, voilà, de me faire confiance, de venir sur cette chaîne. Bon, je sais que ce que je dis, n'est pas évident, on peut dire, pour tout le monde. Après, il y a des gens qui le prennent mal, bon, bah, c'est comme ça. Alors, là, nous avons Papa ne veut pas que je joue du violon. Donc, là, visiblement, il va falloir que tu laisses, on peut dire, les gens autour de toi faire bah, ce qu'ils veulent. Hein. Là, visiblement, ton père ne voulait pas que tu joues du violon et toi, je veux dire, t'emmerdes tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu ça l'histoire. Voilà, donc là, on va laisser les gens jouer du violon. Hein, voilà, avec le lâcher prise, hein, on va lâcher prise. Alors ensuite, j'ai une mission dans la vie parce que j'ai un talent et une envie. Hein, donc là, visiblement, tu vas suivre tes envies. Hein, voilà, voilà, tu vas plus, on peut dire, t'enfermer dans une situation où, je veux dire, les gens te laissaient pas tranquille. Voilà, où tu vas laisser les autres, on peut dire, faire ce qu'ils ont envie de faire. Hein, voilà, le bouquet du Gémeaux, là, des gens qui sont complètement dispersés. Hein. Voilà, donc là, visiblement, bon, il y a des gens qui n'ont pas vu qu'ils avaient du talent aussi, ou je veux dire, t'as pas vu qu'il y avait quelqu'un autour de toi qui avait du talent, ou une envie par rapport à jouer d'un instrument de musique, ou je veux dire, dans ta famille, tu as peut-être beaucoup de musiciens et tu ne le sais pas. Donc là, nous avons, on peut dire, des personnes qui sont extrêmement reliées, on peut dire, voilà, extrêmement reliées au maître spirituel. Par rapport, on peut dire, à ta mission de vie, hein, voilà, t'as un talent et une envie, bah vas-y, hein, enfin, je veux dire, en plus, c'est des gens qui vont se déplacer, hein, parce que moi, bon, après, bon, ce sont mes dessins, ils valent ce qu'ils valent, hein, mais, enfin, je veux dire, là, visiblement, nous allons avoir on peut dire, un voyage très, très protégé, hein, visiblement, avec
deux alliances, hein, je sais pas, il y a deux petits trucs au doigt là que j'avais fait. Hein. Voilà, et c'est par rapport à des gens, je veux dire, alors peut-être que dans une histoire où on joue du violon, tu vas voir très très clair. Hein. Il y a ça aussi. Bon, là, visiblement, alors pour certains, votre double lumineux, enfin, je veux dire, c'est un maître spirituel, hein, ou je veux dire, c'est quelqu'un qui est très très renseigné, ou c'est quelqu'un qui vous renseigne. Donc là, après, bon, nous avons aussi des gens, je veux dire, qui ont peur de la mort. Voilà, tu as peur de la mort parce que quand tu étais petite, tu avais peur que ta maman ou ton papa meure. Voilà, donc voilà, tu es en survie. Hein, et donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à lâcher du monde. Voilà, parce que tu es en survie, voilà, dans la situation. Et il faut accepter, on peut dire, qu'il y ait un début et une fin à toute chose. Et de cette façon, eh bien, tu vas laisser de la place, on peut dire, à la vie. Hein. Il y a des gens, je veux dire, ils veulent pas lâcher leur copain ou leur copine. Voilà, t'es toujours dans tes tripes, je veux dire, de gamine de 15 ans. Ah ouais, mais c'est ma flamme jumelle, je peux pas le laisser partir, c'est pas possible. Puis pour d'autres, je veux dire, c'est le carnet de chat que tu laisses partir et t'as peut-être pas envie. Donc là, bon, avec des gens, on peut dire, voilà, qui vont commencer à peut-être à jouer du violon. Hein, voilà, donc. Alors là, visiblement, un enfant est une personne. Et là, visiblement, il y a un enfant qui ne va pas attendre que son père ou sa mère décide pour lui. Voilà, donc je parle avec eux et je leur dis ce que je veux et pourquoi je suis autonome et responsable. Donc là, visiblement, bon, bah, on a peut-être, on peut dire, des parents qui sont des gamins ou des gamines, et on a peut-être aussi, je veux dire, des enfants, je veux dire, qui sont de véritables personnes responsables et autonomes. Voilà, et là, je veux dire, et c'est peut-être pour ça que tu vas lâcher prise, je veux dire, sur tes enfants, ou je veux dire, voilà, il y a des trucs qui bloquent. Hein. Alors, donc là, on va donner beaucoup d'importance à une chose plutôt qu'à une autre, par rapport, on peut dire, à une mission de vie. On va donner beaucoup d'importance aussi à quelqu'un qui a un talent ou quelqu'un qui a une envie, quelqu'un qui peut être autonome et responsable. Voilà, quelqu'un qu'on a, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui est jeune, je veux dire, le projet est jeune, ou c'est un truc embryonnaire. Voilà. Et là, on va donner, on peut dire, de l'importance à cela. Alors, attendez, elle est tombée. Donc là, tu vas être relié, on peut dire, à tes maîtres spirituels, hein, ou tu vas être relié à une personne qui est ton double lumineux, et ça va te permettre, on peut dire, voilà, de peut-être de sortir de ton silence. Voilà, donc je suis un petit enfant silencieux. Hein. Bon, on a aussi des gens qui sont des autistes, hein, sur notre chaîne. Bienvenue. Et pourquoi? Eh bien, parce que là, visiblement, il y a beaucoup de gens, ou il y a beaucoup de choses que tu regardes qui t'ont ouvert les yeux. Là, visiblement, tu as été relié dans une situation. Je vous montre encore mon petit dessin. Je sais que ça plaît beaucoup. Voilà. Donc là, visiblement, je veux dire, on a quelqu'un qui a été touché. Hein. Voilà, tu étais en train de te reposer au bord d'un lac ou au bord de la mer. Et puis là, il y a un petit œil, je veux dire, qui t'est rentré directement dans le chakra du cœur. Voilà. Bon. Donc là, visiblement, tu ne seras plus un petit enfant silencieux, à cause peut-être d'une personne, on peut dire, qui te disait des mensonges autour de toi. Voilà, donc là, visiblement, alors on a des gens qui ont cassé des choses. Hein. Là, visiblement, il y a un truc là qui est bloqué. Qui est bloqué pour une personne qui est très très silencieuse. Voilà, quelqu'un qui a fait une grosse bêtise. Hein. J'ai cassé le verre et je l'ai caché. Le vase, pardon. Je l'ai caché, j'ai rien dit. Donc là, visiblement, il y a quelque chose que l'on a caché. Hein. Je veux dire, on est resté très très silencieux ou très silencieuse, ou on n'a pas dit la vérité, on peut dire, par rapport à un double lumineux. Voilà, il va falloir lâcher prise parce que pour d'autres, vous avez rien dit parce que vous ne vouliez pas que votre copain ou votre copine s'en aille. Alors, donc là, nous avons, je suis le seul à savoir ce qui est adapté à ma vie et à mon évolution.
Alors là, on a des gens, je veux dire, là tu te trifouilles la tête, hein. Je veux te dire, là, pour envoyer ta lettre, je veux dire. Alors pour d'autres, vous allez recevoir quelque chose, je veux dire, ça va vous faire mal à la tête, hein, je veux dire, mais ça va être adapté à ton évolution, hein, visiblement. Voilà, des gens qui vont laisser place à la vie, hein, qui vont accepter qu'il y ait un début et une fin. Voilà, des gens qui ont cassé un vase, hein. Ouais. T'as cassé quelque chose, t'as cassé une relation et tu n'as rien dit. Bon, là, j'ai quand même le serpent de la trahison avec une personne silencieuse. Et là, ce sont des personnes, on peut dire, qui n'avaient aucune prise de conscience. Voilà, ou c'est des personnes qui vont avoir une prise de conscience, mais là, on est plutôt enfermé, hein, dans la situation avec les masques. Voilà. Donc cette carte est inversée. Donc voilà, ce sont des gens, on peut dire, qui ne se sont pas rendus compte, on peut dire, de la situation. Et là, je veux dire, les masques tombent, hein, parce que tu vois clairement, on peut dire, quelque chose qui t'arrive. Ok, alors pour les gens qui veulent me copier, tout est, je veux dire, il y a un copyright sur tout. Donc copiez-moi, je vais devenir très riche. Alors, donc là, on avait, je veux dire, papa et maman sont tristes, hein, visiblement, ou te rendent très triste. Donc là, nous allons quitter, on peut dire, une énergie extrêmement négative. Voilà, des gens autour de toi, je vais te dire, alors je vous montre un peu mieux. Voilà, des gens, visiblement, enfin, je veux dire, ils avaient du sang dans les yeux. Enfin, je sais pas, ils essayaient de t'étouffer. Et toi, je veux dire, j'ai bien, t'as trouvé ton double lumineux avec ton chakra, hein, là, visiblement. Voilà, rose, le chakra rose. Bon, c'est positif, mes amis. Hein, nous allons quitter cette énergie. Hein. Et là, tu vas exister. Hein. Tu vas exister. Pourquoi? Eh bien, parce que l'univers veut que tu existes. Et il y a des personnes autour de toi qui ne voulaient pas, évidemment, que tu existes. Hein. Voilà. Et donc là, visiblement, tu vas avoir une vision, voilà, une vision et une grosse prise de conscience dans voilà, dans l'univers. Hein. Je sais pas. Il y a une grosse prise de conscience dans l'univers. Hein. C'est ce que je peux vous dire. Alors, je vais retirer mes cartes là. Ok, allez. Allez, allez. Attendez, je coupe. Allez, je continue avec mes autres cartes. Ah, attendez, je suis juste. Excusez-moi. Allez. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Allez, donc nous avons, on peut dire, une personne qui ne perd plus son temps. C'est par rapport, on peut dire, alors là, on est plutôt chez les Grecs, voilà, par rapport à la colonie grecque de Messine. Bon, après, il faut regarder, on peut dire, sur Wiki, voilà, à quoi correspond évidemment tout ce que je vous dis. Parce qu'il y a toujours des indices par rapport, on peut dire, à vos origines, voilà, par rapport à des choses qu'il faut que vous compreniez par rapport à des choses du passé. Et donc, moi, j'ai une façon un peu spéciale, on peut dire, de lire, on peut dire, l'histoire. Donc voilà, donc il s'agit, on peut dire, de Calabre, hein, voilà, pour d'autres, on peut dire, il s'agit de militaires ou de mercenaires. Par rapport à un tyran de Syracuse, donc il s'agit aussi de la guerre de Carthage, d'épidémie. Et donc on peut dire que bah, si tu es la déesse de ma chaîne, tu as eu un Apollon qui t'est apparu en songe. Bon, ou un chef, hein, voilà, quelqu'un qui a un bâton, quelqu'un qui commande. Voilà, et donc, au chef lui vouait un ver sacrum. Et donc, le ver sacré, bon, par exemple, c'est l'ADN quantique, hein, voilà. Et donc, tu vas être délivré du fléau, parce que, on peut dire, il va y avoir, on peut dire, une unité entre des peuples. Voilà, et donc là tu veux plus perdre ton temps dans la situation. Donc il y a des gens, on peut dire, qui ont coupé des ponts avec leur ex, ou tu vas couper des ponts, on peut dire, avec tes ex, parce que tu veux plus perdre ton temps.
Donc là, je veux dire, t'as plus besoin d'être dans la patience, hein, tu vas réaliser, on peut dire, voilà, ton chemin de vie, parce que t'as suffisamment de connaissances. Et c'est par rapport, on peut dire, au Christ, c'est par rapport, on peut dire, voilà, à Coco aussi. Alors bon, ça peut être aussi des gens qui travaillent dans la couture, hein, Coco Chanel. Le Corcovado aussi. En tout cas, tu vas recevoir un message et c'est par rapport à des enfants dans la misère. Et des gens qui voilà, que l'on a laissés, on peut dire, dans la patience ou que l'on a fait énormément patienter. Voilà, et ce sont des personnes qui ont, on peut dire, qui ont patienté et qui ont prié en lieu saint. Voilà, des gens, on peut dire, voilà, qui sont plutôt, on peut dire, des gens peut-être sacrés ou des gens que l'on aime. Voilà, donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui sont dans la misère ou, voilà, des enfants surtout. Donc les enfants qui sont dans la misère, et là, visiblement, c'est par rapport à un tyran aussi, ou c'est par rapport, on peut dire, ouais, parce que moi j'ai aussi la Calabre, hein, donc c'est aussi des Italiens d'origine. Donc là, j'ai plutôt, on peut dire, les flammes jumelles, hein, toujours le fils de Shiva et de Parvati. Voilà, donc là, visiblement, je veux dire, ton double lumineux, il va ressembler un peu à Ganesh, hein, enfin, je veux dire, il va avoir la défense un peu enfoncée. Voilà, une personne, on peut dire, qui a peut-être, on veut dire, un cerveau ancestral, je veux dire, une tête de Ganesh, c'est une tête d'éléphant, je veux dire, avec un corps d'enfant, c'est peut-être ça aussi. Voilà, en tout cas, je veux dire, le double lumineux, là, qui t'arrive, je veux dire, ça va flamber, hein, ça va flamber, ça va être ta flamme, hein, là, visiblement. Voilà, Ganesha, hein. Une danseuse sur un fil, hein, voilà. Il y a des gens qui vont avoir un flash, hein, un gros flash là visiblement, dans une situation. Donc bon, vous avez compris que je faisais plutôt des trucs pour les célibes, hein, voilà, où les gens, je veux dire, qui en ont marre d'être à la quatrième saison de leur flamme jumelle, qui viennent sur ma chaîne, bienvenue. Donc là, tu perds plus ton temps, c'est par rapport à une maison en bois à la montagne. Voilà. Donc là, on lâche prise sur la maison en bois à la montagne. Ou ça peut être aussi par rapport à un palais au bord de l'eau. Enfin, une belle maison, on peut dire. Donc là, pour la maison en bois à la montagne, bon, bah, t'as compris que bon, soit t'es tombé sur un joueur. Soit c'était un jongleur de bons mots, hein, mais je veux dire, son cœur était sec. Hein, donc voilà, donc là, tu vas te délivrer, on peut dire, d'un jongleur aussi. Bon, pour d'autres, je veux dire, c'est des histoires de colonies. Voilà, la colonie grecque, Messine, la Calabre, l'Italie, tu vas être, voilà, tu vas être délivré, là, visiblement. On t'a fait énormément patienter dans une situation. On a refait le film de ta vie. C'était la Cinecittà, enfin, je veux dire la Calabre, là, des gens qui n'ont pas d'argent. Donc là, visiblement, voilà, on t'a fait croire des choses. On t'a dit que voilà, tu allais réaliser tes rêves. Tout est faux. Voilà pourquoi? Eh bien, parce que tu as eu des personnes autour de toi qui se sont déguisées pour une poignée de blé. Ouais. Donc là, visiblement, bah, ton ex en est malade. Hein, je veux dire, voilà, bah, ton ex reçoit une malédiction divine ou c'est une flèche divinatoire. Voilà, par rapport, on peut dire, à un texte favorable, hein, où il peut s'agir de documents administratifs. Hein, voilà, des gens qui ont le sens du geste, hein, qui sont plutôt dans l'essai. Alors, c'est peut-être l'essai au rugby, c'est l'art épique, c'est des choses qui sont liées à la tradition et à un palais au bord de l'eau. Ouais. Donc là, visiblement, je veux dire, il y a des gens qui ont fait croire des choses, on peut dire, à un homme ou une femme, je veux dire, pour une poignée de blé. Donc là, bon, bah, les personnes, elles sont prises, je veux dire, le Christ en croix sur la tête.
Et là, visiblement, on peut dire que voilà, tout est déséquilibré dans la situation. Là, vraisemblablement, je veux dire, c'est le pont des soupirs. Hein, je veux dire, on est à Venise et je veux dire, ça soupire à Venise. Bon, visiblement, je sais pas, il y a des gens, ils peuvent plus fuir. Ou là, par contre, je veux dire, ton ex qui en est malade, hein, de la malédiction ou de la flèche divinatoire, là, elle va prendre ses pieds. Hein. Elle va prendre ses pieds. Bon, après t'avoir fait beaucoup patienter dans une situation où t'avais raconté des choses qui sont fausses. Alors, ça peut être un homme aussi, hein, un joueur ou un jongleur, de bons mots, mais sans cœur. Ouais, là. Alors, ça peut être un chef aussi, hein. Alors, donc là, bon, tu as brûlé ton cœur et il reste une cicatrice, hein. Ouais, bon, bah là, il y a quelqu'un qui s'est pris une grosse cicatrice. Grosse cicatrice. Donc là, on te dit, bon, malheur, adversaire, Dieu, il faut que tu ailles à l'est, hein, visiblement, dans un lieu petit. Voilà, un lieu où ça peut être aussi par rapport à une personne petite et forte. C'est un souffle. Donc là, visiblement, tu vas rencontrer un double lumineux. Hein. Après, évidemment, c'est pour certains. Hein, voilà. Après avoir tourné dans un film de la Cinecittà, enfin, je veux dire, bon, voilà, une maison en bois à la montagne aussi. Bon, là, il y a une grosse cicatrice, hein, visiblement, par rapport, on peut dire, à des doubles lumineux ou des flammes jumelles. Ouais, je vais en mettre une. Donc là, visiblement, par rapport, on peut dire, à Shiva et Parvati, hein, les flammes jumelles, tu marches dans la continuité de ta lignée. Un corpus admis. Voilà, et donc tu vas être initié à l'amour et tu vas arriver à l'aboutissement de ton projet. Voilà, là visiblement, il y a des gens, ce sont des doubles lumineux hein, qui arrivent au bout, on peut dire, de leur projet. Voilà, parce que tu perds plus ton temps. Allez, hop. Des gens qui vont marcher, hein. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui se déplacent là. Ouais, des gens, je veux dire, ils perdent plus leur temps, visiblement. À la montagne ou dans un palais au bord de l'eau. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Hein, ou pour d'autres, vous allez être initié à l'amour dans un palais au bord de l'eau. Bon. Enfin, je veux dire, bon. Donc là, visiblement, pour des personnes, on peut dire la maison en bois au bord de la. À la montagne, pardon. La paix est signée en octobre. Et pour d'autres, enfin, je veux dire, octobre, ça va être la révolution d'octobre, mes amis. Il va falloir faire très, très attention. On peut dire dans la situation. Ouais, il va y avoir une grosse instabilité émotionnelle ou financière. Hein. Ouais. Là, visiblement, là, le retour des ex, je veux dire, ça va pas le faire. Hein. Ouais, là, on a intérêt à signer l'appel. Hein. Bon, ensuite. Alors. Donc là, visiblement, on comprend par rapport au passé que certains péchés ne peuvent être lavés. Hein. Des gens qui, dans le passé, ont été sourds au conseil de prudence. Voilà, il s'agit de personnes d'origine brésilienne. Il peut s'agir aussi des Galapagos, les eaux de la traîtresse, du Cap Horn. Et donc là, visiblement, on lâche prise, on peut dire, sur une obsession. Ou ça peut être aussi une quête qui tourne à l'obsession. Voilà, par rapport à de l'émo, voilà, des gens, enfin, je veux dire, des gens qui sont dans un palais au bord de l'eau, je veux dire, c'est une grosse instabilité émotionnelle, là, visiblement, par rapport à quelqu'un qui vous a fait jongler. Hein. Et donc, tu vas trouver de l'inspiration dans un texte favorable. Hein. Et tu vas lâcher prise, on peut dire, sur tes obsessions. Voilà. Ensuite. Des gens qui se déguisent pour une poignée de blé. Hein. Donc là, vraisemblablement, bon, bah, des gens qui sont très. Voilà, peut-être une femme vénale ou un homme très vénal. Donc là, il est complètement aveugle. Arrête avec les boulets sans âme et les gens cruels. Donc, je veux dire, arrête de courir après un mec ou une nana. Enfin, je veux dire, qui en a rien à foutre de toi.
Hein, t'es complètement aveugle. Voilà, des gens qui se déguisent pour une poignée de blé. Hein. Je veux dire, des gens, je veux dire, qui se mettent, je veux dire, non, voilà, qui jouent des rôles simplement, je veux dire, pour te tirer de l'argent. Alors là, visiblement, bon, là, y a une personne qui reçoit, on peut dire, un message, hein, par rapport à des enfants. Alors, peu importe, je te trouverai, hein, je ne veux pas que tu t'en sortes. Bon, alors là, on a des gens, je veux dire, qui sont dans les obsessions. Dans les obsessions, je veux dire, jusqu'au bout, hein, jusqu'au trognon, là, visiblement, nous avons, on peut dire, un homme aveugle, visiblement, qui est dans les obsessions. Voilà, des gens qui ne veulent pas que vous en sortiez. Hein. Tu crois que tu vas nous échapper, tu peux rien faire. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui ne peuvent rien faire parce qu'ils ont trop joué au con. Ok? Voilà. Par rapport, on peut dire, à une femme, hein, elle a un truc que les autres n'ont pas. Mais j'ai rien vu. Hein, visiblement, ton ex en est malade. Hein, je veux dire, il a rien vu, hein, visiblement. Mais en même temps, je veux dire, il a tout fait pour pas que tu t'en sortes. Voilà. Bon, après, je veux dire, il y a des gens, je veux dire, on va absolument leur mettre des bâtons dans les roues. Hein, voilà. Bon. Avec le Christ, je veux dire, ça va être difficile. Hein. Le Christ avec les enfants dans la misère, ça va être très très dur, mes amis. Voilà, et puis nous allons nous arrêter là. Voilà, bon là, visiblement, on ne va plus regarder, on peut dire, vers le passé. Voilà, par rapport, on peut dire, à une cicatrice, à un malheur, à un adversaire. Bon, des gens qui vont se déplacer à l'est, hein, ou vous allez rencontrer, on peut dire, une personne à l'est, votre double lumineux. Dans un lieu est peut-être, je veux dire, fortifié. Bon, ou ça peut être quelqu'un qui a du souffle. Hein. Donc là, visiblement, bah, tu vas ranger le pacte faustien, on peut dire, dans un coin. Hein. Là, visiblement, bon, c'est un peu ça. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui ouvre ses ailes pour te protéger. Bon, c'est plutôt une femme, hein, sur Shiva et Parvati, je l'ai toujours. Ensuite, alors attendez, je remets le truc. Hop. Alors, sur la révolution d'octobre, bon, là nous allons avoir les spectateurs. Bon, là, visiblement, les spectateurs, je veux dire, ils vont faire la révolution d'octobre. La presse, les amis, les enfants à l'affiche. Bon, là, visiblement, les gens qui se taisaient, je veux dire, ils vont hurler. Bah, visiblement, les hurlements vont faire la loi. Voilà, il s'agit de personnes qui sont très engagées, on peut dire, dans l'associatif. Et donc, vous allez vous engager aussi dans l'associatif. Visiblement, vous n'allez pas finir vieille fille. Enfin, je sais pas, tu vas rencontrer ton double lumineux, je veux dire, dans une manif. Hein, ça peut être ça. Voilà, la révolution d'octobre, mes amis. Hein. Bon, voilà, des gens qui veulent plus perdre leur temps. Hein. Alors ensuite, alors là nous avons, alors bon, là visiblement nous allons nous diriger, voilà, un recommencement, un nouveau projet. Alors pour certains, je veux dire, votre copine, la personne que vous allez rencontrer, c'est une petite cruche qui glougloute, un être extraordinaire ou un miracle ou des merveilles. En tout cas, tu vas être, je veux dire, ça va être le flash. Hein. Voilà, ça va être le flash, visiblement sur, je veux dire, une déesse, hein, si tu es un homme. Hein. Alors, bon, et pour d'autres, je veux dire, si tu es une déesse, t'es complètement aveugle, je veux dire, lâche les boulets sans âme, hein, ou je veux dire, les gens qui ont le cœur sec. Hein. Donc là, nous allons, bah, tu rencontres une femme d'une grande beauté. Hein. Là, visiblement, après avoir, on peut dire, traversé, on peut dire, des relations avec des gens cruels ou des criminels. Voilà, là, c'est la beauté et la sagesse que tu vois. Après avoir, on peut dire, ouais, bon, après, là, des gens qui se déguisent pour une poignée de blé. Hein. Ouais. Allez, on termine. Alors, la femme que tu rencontres, c'est une gazelle. Donc, c'est plutôt une personne d'origine africaine. Hein, les gazelles sont en Afrique, hein, mes amis. Après, voilà. Pour d'autres, c'est par rapport à une idole.
Voilà, donc il peut s'agir évidemment d'idoles, d'icônes cinématographiques. Après, il peut s'agir aussi d'idoles spirituelles. C'est par rapport à quelque chose qui va être utile, hein, c'est pour servir. Il s'agit de paroles aussi. Donc là, visiblement, on va aussi, on va balayer, on peut dire, les insolents. Alors moi, c'est ce que j'ai. Donc, on peut dire que sur le fils de Shiva et de Parvati, sur les flammes jumelles, sur le double lumineux, hein, voilà, sur des histoires d'argent aussi, hein, voilà, quelqu'un voilà, qui a le cœur brûlé, hein, tu as brûlé ton cœur et il reste une cicatrice, un malheur, on peut dire, sur un adversaire, un pacte faustien. Voilà, donc là, on a une solution qui arrive pour toi. Ouais. Bon, il y a des gens. La solution, c'est de marcher dans la continuité de ta lignée. Alors, si tu es d'origine, je veux dire, d'origine indienne, hein, enfin, je veux dire, ta lignée, c'est Gandhi, hein. C'est. Parce que là, j'ai quand même la révolution. Enfin, je veux dire, il y a un truc, je veux dire, qui se transforme, là, hein, l'histoire. Hein. Ouais. Tu ne regardes plus vers le passé. Visiblement, tu ne vas plus regarder une personne superficielle. Voilà, ou tu ne regarderas plus une personne qui est puante et odieuse, ou puant et odieux. Voilà, une personne qui t'a trahi ou qui t'a trompé, une personne qui a indiqué, on peut dire, une victime pour se dédouaner. Voilà, des gens qui vont être dans le sanctuaire du désert. C'est par rapport à une étoffe, par rapport à une traîtresse, et par rapport à du lin. Ouais, j'ai toujours du lin. Ouais. Voilà, par rapport à du lin. Donc là, bon, alors pour certains ou certaines, le double lumineux, c'est le visiteur du futur. Hein, donc, ouais, tu vas rencontrer, je vais dire, le visiteur du futur. Voilà, donc là, visiblement, il faut retourner dans le passé pour changer le cours des événements. Voilà, il s'agit, on peut dire, voilà, tes ennemis, on peut dire, te traquent. Donc, il y a des personnes, on peut dire, qui sont revenues, on peut dire. Dans le passé pour, on peut dire, changer le cours des événements du futur. Voilà, et on peut dire que ça a été une course contre la montre. Alors, c'était peut-être ça avec, je veux dire, voilà, des ennemis, une gazelle. Et là, on peut dire, bah, le pacte, le mauvais pacte, le pacte maudit, il reste dans un coin. Hein. Il reste dans un coin. Là, sur les ennemis karmiques, je veux dire, les ennemis sont terrassés. Terrassés. Bon, là, pour d'autres, vous avez une personne facile, petite et vive, qui arrive. Une grande rapidité d'exécution. Il s'agit de documents ou de messages. Et pour d'autres, vous allez être initié à l'amour. Voilà. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir alléger des gens qui ont provoqué, on peut dire, le déshonneur. Voilà, on peut dire des gens, on peut dire, vont, je veux dire, vont être allégés, on peut dire, de leur karma par rapport, on peut dire, à un visiteur, au visiteur du futur. Hein. C'est retour vers le futur. Donc, c'est par rapport, on peut dire, à des personnes qui pleurent. Voilà, donc j'ai toujours donc Damas, Daniel, Dan, hein, les dés, les Danites. Voilà, des personnes qui pleurent, on peut dire, sur le savoir, la science, l'omniscience. Des gens qui vont faire des recherches aussi. Voilà, pour d'autres, il s'agit, on peut dire, d'une habileté technique, on peut dire que vous n'avez pas vu. Et voilà, ce sont des personnes, on peut dire, qui vont aller vers plus de sagesse et plus de connaissances. Alors j'avais pris mon petit Verlaine là. Alors je fais juste, vous voyez, je fais ça. Ok. Alors là nous allons aller vers voilà, on va avancer dans la communication. Je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, je me souviens des heures et des entretiens, le meilleur de mes biens. J'aimais ses jolis yeux, l'étoile des cieux, ses yeux malicieux. Rond de jupe essoré aux cieux. Donc là aussi, on est avec des personnes qui sont dans la tristesse. La jalousie, insultant sombre, piteux sous l'or du caftan, pour l'amant qui se turlupine,
Donc à tort, puisqu'il est aimé, plaisir des yeux, plaisir de tête, l'illusion du décor, jeu de silence et de mystère. Donc un train passe et les trains sont passés, mais je n'ai pas oublié la bonne, la grande aventure, et je le sais, que Dieu m'a béni plus que personne, l'heure de grâce reste et sonne, on s'étonne, on frissonne. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée. Au revoir.